pas y aller, Yaro. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai du nouveau. Des freelancers portés disparus, qui n'ont pas donné signe de vie depuis un moment. T'as l'air d'en savoir plus. Reçu. Je me mets en route. Thank you.
continue comme ça.
marche. Continue. Cet export fait sortir un scar très dangereux. Fais attention. Freelancer. Je vais voir ce qui sera possible de faire. Thank you.
Reçu. Salut.
swing. Bruce Wayne. Mon ami, c'est toujours un plaisir de te voir. Tu vois ces histoires sur le mur? Oui, et je me demandais de quoi il s'agissait. Quand un freelancer périt, on m'apporte son connecteur. De notre vivant, le connecteur nous relie à un crypteur. À notre mort, c'est un témoignage de nos derniers instants. Et tu couches par écrit ce qui s'est passé? Oui, en hommage au sacrifice des freelancers. Tu fais ça tout seul? C'est un honneur. Faut pas les pleurer, mais les célébrer. Je veux que tu ailles honorer nos morts. Rapporte-moi leurs histoires. Et éclaire leur retour au bercail. Le palais. Jack Laven, toujours occupé? Carrément. Je devais m'occuper d'Escar pour un contrat. Je suis arrivé alors qu'il s'intéressait à une relique. Heureusement, des amis m'ont rejoint. Il y avait des élémentaires, des Escar partout. Puis un Korox en chaleur est arrivé. Il s'est passé quoi? Un peu de travail d'équipe, de belles manœuvres et un tir vraiment chanceux. Et du coup, la relique a été neutralisée. Le Korox s'est fait de nouveaux amis, et on s'en est tous sortis. Je commence à comprendre d'où vient ton surnom. Ça aurait pu mal finir, ça oui. Mais c'est à ça que sert la famille. Invincible ensemble, pas vrai? Ouais, c'est le meilleur moyen de survivre.
Et c'est sympa d'avoir de la compagnie aussi. Plus il y a de monde, et plus ça fait de témoins quand t'accomplis un exploit. Comme s'occuper d'un Korok sans Ruth. Ça, je l'oublierai pas. Dommage que préparer la prochaine mission soit pas aussi facile. Y a un problème ? Mes amis et moi, on pensait partir sur un autre contrat. Le dernier s'est bien passé, donc pourquoi pas, tu vois ? Mais ils sont pas d'accord sur le choix du contrat. Moi, je m'en fiche. Du moment que ça m'en fait un de plus dans la liste. Quelles sont tes options ? Un arcaniste qui recherche une cache perdue. Le côté mystérieux m'intéresse. Ou le fort, qui a besoin de protection contre des animaux dangereux. Action garantie. Aller affronter des créatures, ça maintient en forme. Et le fort est plus sûr ensuite. C'est pour ça qu'on est là, pas vrai ? T'as raison. Très bien, je vais suivre ton conseil. Souhaite-moi bonne chance. T'en as pas vraiment besoin. C'est sûr. À bientôt. Quel est le programme ? On a perdu trop de collecteurs. Trop d'histoires de freelancers. Trouve-les et rapporte-les. On n'oubliera pas leurs sacrifices. Leur héroïsme restera dans les mémoires. Dans toutes les mémoires, tu comprends ? Je comprends. Le site droit devant n'a pas été fermé. Il faut y remédier. Un freelancer est mort ici. D'autres sont venus faire le boulot. Il reste du travail. Victorieux seul, invincible ensemble.
collecteurs indésirables. Ils sont pas libres, trouvez-y. Je m'en charge. Célébrer les hauts faits et liquider le chemin du retour. Entendu. Reposez en paix. On se retrouvera tous à la fin de ce monde. J'ai un nouveau site pour toi. Tout prêt. Le prochain site promet d'être sanglant. Récupère les connecteurs des freelancers morts. Pour que tu puisses rédiger leur histoire. Oui. Du matériel. En état, mais toujours pas de connecteur. Descartes, j'imagine. En effet. Les Scars sont pas du genre à laisser tout ça derrière eux. C'est quelqu'un d'autre. Aucun connecteur, nulle part. Je sais qui fait ça. En revanche, je sais pas pourquoi. Les survivants ont laissé un mémorial ici. Allume le feu. Yaro, qui a pris ces connecteurs? Des proscrits, des criminels sans honneur, bannis de la civilisation, des monstres.
accompagner. Les voilà. Lâche sans foi ni loi. Mets la main sur tout ce qu'ils ont pris. Tout. Je vais essayer.
pour l'essentiel. Parfait. J'ouvre le reste avant que tu disparaisses. J'ai un connecteur ici. Ils veulent des connecteurs. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. D'autres connecteurs. Ils les poursuivaient, c'est sûr. Rapporte tout ce que tu pourras. On en redécouvre plus tard. J'ai remonté de mon bosquet. Ça s'est jamais bien terminé. Au fort. La plupart sont à Liberalia, sur la Grande Muraille. Après le Maelstrom, on est reparti de zéro en Fort Tarsis. Toutes les histoires affichées à Liberalia ont été perdues alors? Oui, on a perdu l'essentiel de notre passé. Merci pour le follow. Apparemment, il y a pas mal de monde qui fout.
embuscade. Votre mari... Des ennuis vers les tombes, hein? Ouais, les proscrits. Ces collecteurs que tu as trouvés, ils sont précieux pour moi, mais... Ils valent pas un repas chaud? Pas même une bouteille de fortune. Trop d'histoires détruites. Quand la grande muraille de Liberalia est tombée, tous nos frères d'armes morts, ce qu'ils avaient accompli... La dernière tombe que j'ai visitée, c'était... Celle d'un ami. Jamais revenu de mission. J'ai érigé cette stèle pour lui. Pour l'heure, j'ai des tas d'histoires à écrire, et de verres à lever. Tout est en ordre. Tu peux aller faire tes... Le succès de l'enclave doit être partagé, pas vrai? On va tous ensemble faire le boulot, c'est ça qui compte. Mais où étaient les freelancers? Au courant pour ce type avec son truc? Salut, freelancer. Salut. J'arrive pas à croire que le meilleur freelancer de Fort Arcis accepte de me parler. Moi, c'est Nisson. Enchanté. Dis donc, tu fais pas équipe avec ce crypteur là, Owen? Si, pourquoi? Bon, rien de spécial. Je me disais juste que ça pouvait être cool de te dire ce qui lui est arrivé à l'école des crypteurs. De quoi tu parles? Ben, je devrais peut-être rien dire. Mais paraît qu'il aurait été trop modifié pendant sa formation. Trop modifié? Ouais, genre franchement détraqué, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? J'en suis pas certain, mais c'est ce que les gens disent. Il faut bien admettre, Owen, il est un peu cinglé. Pas du tout. Ouais, moi non plus, j'y crois pas trop. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Merci à toi, mais ce type d'information n'a pas grande utilité. Ouais, je vois, t'étais déjà au courant. Enfin bref, si jamais t'as besoin d'infos sur un Kidam du Fort, je suis branché à pas mal de sources. Merci, mais sans façon. Pas la peine de couper les ponts. Disons juste qu'on pourrait être amené à se revoir. Ou pas. Message reçu. À la prochaine. Mon héros. Sans toi, j'aurais fini en pâté pour Scar. Foutu Scar. Leur recrudescence d'activité a stoppé mes recherches. Sur quoi tu travailles exactement? Je cherche un ancien texte arcaniste intitulé le Codex Élyséen. Il a été rédigé par les premiers membres de notre ordre et perdu depuis des générations. Certains arcanistes pensent que leurs écrits pourraient nous aider à prédire le comportement des instruments des démurges. Imagine, on pourrait savoir si une relique va créer des tempêtes de feu, ou des scorpions, ou si elle va t'exploser en un millier de morceaux. Ou on pourrait protéger les gens. Effectivement. Toute connaissance qu'on peut acquérir est utile. Ça avance? Le travail héroïque de mes assistants, puisse-t-il encore chercher des réponses au-delà de cette vie, a mené à une découverte. Or, il existait un moyen bien plus ingénieux de transmettre la connaissance. Des runes invisibles. Invisibles? Invisibles, oui. Et comment... J'ai éveillé ta curiosité? Eh bien, il te faudra poursuivre ton aventure pour le savoir. Nos recherches ont révélé un site qui pourrait répondre à nos questions. Montre-moi où je dois aller.
Je transfère l'arcaniste Mathias. Comment t'as entendu parler de notre destination? Elle figurait dans d'anciennes notes. Il y avait quelque chose dont l'auteur ne parlait pas. Quelque chose d'important dont il n'a pas fait mention. J'en suis certain. Et t'as une idée de quoi? Non. Juste une hypothèse. D'accord. Quel secret renferme-t-elle? C'est ce qu'on va découvrir. Pour les autres arcanistes. Il y a une légère vibration énergétique. C'est ici, aucun doute. Les licans agressifs se sont installés ici. Éliminez-les, s'il vous plaît. C'est dans mes corps. Choses. Il faut le bon stimulus pour le déclencher. C'est-à-dire? Il nous faut un différentiel d'énergie. On crée une variation assez importante. Les câbles la détectent et les marqueurs se déclenchent. Comme une alarme incendie? Exactement. Cet objet des démurges en face du marqueur est lié aux échos. Compris. C'est l'heure d'allumer le feu. Mais le marqueur ne se déclenchera pas sans un plus gros différentiel d'énergie. Il faut d'autres échos. A été choisi pour nous rendre la tâche difficile. Il suffisait que des arcanistes collaborent avec des freelancers. Évidemment. Comment t'as entendu parler des runes cachées qu'on cherche? Lorsque je me suis rendu compte de tous les secrets nécessaires dans notre histoire, ça a ouvert de nouvelles perspectives d'études sur les documents que je possédais déjà. Il doit y avoir un autre écho par ici.
se passe rien. Il va nous en falloir plus. Particulière à certains types d'énergie. Notre lien à la physiologie d'insectes. Je me demande si... On est occupé là, Mathias. Oui. Pardon.
est génial et là j'ai monté la difficulté, il est encore mieux. Je sais pas si je les ai trop simples, mais j'ai mis une difficulté beaucoup plus haute et franchement, bon, c'est beaucoup plus dur, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Ouais, les paysages, ouais. Ah, mais franchement, il est vraiment sympa. C'est dommage qu'il est sorti au mauvais moment en fait. S'il était sorti au bon moment, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde dessus. Il est sorti au moment où vraiment les Battle Royale, tout ça était là et. Fortnite arrive un peu en même temps. Du coup, bah voilà quoi. Perso, j'ai tout intéressé au jeu. Ils sont vraiment sympas. Là, s'ils font ce qu'ils ont prévu de faire une refonte du jeu, ça va être ouf. Avec le truc Microsoft et le truc de Electronic Arts, donc il y a Access, il y a plein de jeux, même le Ubisoft, j'ai plein de petits jeux qui sont sympas, pas connus forcément du public, donc bah, je vais les essayer ceux là, voilà, comme ça je vais vous entrer en direct, ça s'il y en a qui peuvent plaire à d'autres. C'est tous les jeux que j'ai accès là, tous mes abonnements. Je dois avoir 200-300 jeux minimum accessibles. Je vais pas représenter plein de jeux. Ouais, je ferai un listing de tous les jeux que je vais pouvoir avoir et au pire je permettrai à tout le monde de faire une sélection. Je ferai un jour en Google Sheet et j'enverrai tous les liens des jeux, tout ça, et vous aurez juste à sélectionner en fait si vous voulez voir dans l'ordre que vous voulez. Assassin's Creed aussi, je les ai tous. Je les ai tous, donc je vais pouvoir y jouer aussi. C'est Assassin's Creed. Donc, il y a pas mal de trucs. Bon, juste le problème, c'est que va falloir que je finisse déjà les jeux que j'ai avant pour pouvoir en installer d'autres, parce que vu la taille de tous les jeux, je risque d'être bloqué avec plus de place. Du coup bah je vais commencer déjà à finir les jeux que j'ai déjà et que j'ai pas fini. Et après par la suite justement je ferai découvrir tout le reste.
défoncer tous les jeux que j'ai déjà à l'heure actuelle, vous faire découvrir. Bah, enfin, un paquet quoi. Qui font 70 100 gigas chacun, donc ça prend beaucoup de place quoi. Du coup je vais finir tout ce que je peux et j'enlèverai comme ça je vais pouvoir faire de la place. Ah moi aussi ouais. Ah il a vraiment bon bon les fuites là. Mais faut un sacré gros PC quand même pour jouer. Hein. Non ça va aller mais voilà quoi, va quand même falloir un bon truc. Si d'ici là j'arrive à avoir une 2070, une 2080 ça pourrait être ouf. Ah, du coup avoir de la bonne qualité là. La place qu'ils prennent, c'est hallucinant la place qu'ils prennent maintenant. Bah après en même temps si on veut avoir des images, enfin des qualités de jeu en 4K tout ça, bah il faut des grosses t'as des gros fichiers d'installation tout ça, des fichiers de données juste pour les textures. C'est ce que ça sent, c'est ce qui prend le plus de temps dans un jeu. Avec beaucoup de mal mon cher associé, une simple tâche impliquera de nombreuses nuits inconfortables dans la jungle. Le livre que tu cherches. Le codex élyséen. C'est pour ça que je pense trouver. Oui, les arcanistes recherchent la vérité. Voilà, si on veut jouer des jeux en qualité, on est obligé d'avoir des gros fichiers et des grosses textures. Ouais, Mania Noire, après j'allais voir si j'ai envie de voir ça ou pas. Mais en tout, Alien Noir c'est bien, mais tu peux trouver moins cher. Un grand PC portable. Encore un. Après, ouais, niveau PC portable, ouais, les Alien Noir sont pas mal. T'as les nouveaux Shtomen aussi qui sont sympas. Les Shtomen, les Dell aussi. Là j'ai vu un Dell et je crois que c'est un Dell que j'ai vu, un Dell ou HP. C'est un Dell WHP que j'ai vu, qui est génial. En PC portable qui a un. En fait t'as un écran au niveau de la partie clavier. Donc comme ça permet par exemple, tu vois là, quand je fais mon stream, bah, je pouvais avoir la gestion du stream sur cette partie-là du clavier. Et le reste dessus. Et souvent j'ai vu un clavier aussi comme ça en vrai. Et ça veut dire là parce que du coup tu peux contrôler ton stream en direct depuis ton clavier. Et à côté clavier. Ah ouais, Alien Noir, ouais, t'as mon de Alien Noir, bah ouais, bah. C'est bon, ouais, Alien Noir, franchement, il est très bien. Ouais, c'est vraiment dommage ce PC portable qui vient de sortir. Il est vraiment vraiment sympa franchement. Après voilà le prix, pas le même prix quoi.
cyberpunk, va falloir un sacré PC quand même. Après, ça dépend si on joue en low ou en ultra, mais ouais, cyberpunk, il va falloir un bon PC quand même. Il va falloir un sacré bon PC. J'ai un Ryzen 5 dernière génération, donc ça va, ça tient encore. Ça tient encore par rapport à ma carte graphique. Il va vraiment falloir que dès que je peux, je paye sur une carte graphique plus puissante pour les prochains jeux. Je vais commencer ça. Quoi. Et voilà, j'ai une giga de RAM. En RAM graphique, ça passe. Et sur certains jeux comme GTA, c'est pas assez quoi. Là, je vais voir GTA, je vais peut-être faire des. Je vais faire des tests avec le mode graphique. Ah oui. Ouais. Attends la PS5. Le marqueur s'est déclenché. L'alarme incendie des arcanistes. Parce que quand tu vois la capacité de la PS5 qu'il va voir, enfin, ça va vouloir l'en coup. La carte graphique qui a intégré, ah bah après le prix il a un tout petit peu plus cher que le prix normal de la PS4. Je crois que si c'est le prix, ce serait à 500€ je pense. Et il y a une carte graphique qui supporte le ray tracking. Si là comme ça tes jeux sont pas en mieux, tu pourras avoir des effets de reflets. Tout ça moi là je pense que je vais prendre ça, la dernière carte graphique 2080. Là, je pense le retracking et franchement, quand tu vois les effets de lui, que tu peux faire avec. Faire des effets de d'onction au sol, des effets de reflet de l'eau sur le sol. Et t'as plein de jeux, bah tu vois là, le reflet de l'eau là. Bah l'eau sur le jeu, elle sera encore beaucoup mieux, encore bien qualité. Genre par exemple sur la route. Ah oui. Ah ouais, alors elle sort l'année prochaine en fait. Elle sort à Noël. Alors c'est ce qui est annoncé pour l'instant, non, elle sort à Noël. Donc des montres qu'elle sorte quand même. De la PS5, c'est que t'auras aussi la rétrocompatibilité. Allons voir ce que les arcanistes. Ah bah ouais, c'est pareil, quand je pourrais, j'aurais pas sortir, qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Vite. Mais l'avantage, tu vois, c'est que tu pourras jouer avec tous tes enfants. Mon cher et habile partenaire, ce sont des runes. Des runes invisibles. Mais je les vois. Pour l'instant, c'est l'autre. En fait, l'avantage, c'est que t'as la rétrocompatibilité de la PS5. Ouais, bah ouais. Normal. Mais ouais, la PS5 elle sera rétro-compatible donc c'est pratique. Comme
comme ça tu peux jouer à tous les anciens jeux auxquels tu jouais sur les PS3, PS4. Je crois que c'est PS1, PS2, PS3, PS4, je crois que c'est compatible. Au moins PS3, PS4, PS3, PS4. Après, je sais pas, mais PS3, PS4 dessus. PS2 je crois aussi. Ouais, je crois PS3, PS4 et peut-être PS2. C'est rune, qu'est-ce que c'est? Des écritures secrètes. Et du coup c'est pratique quoi. Ça évite d'avoir plusieurs consoles pour jouer au petit jeu sur une autre console. Ah oui bah après ça fait loin quoi. C'est ça le défaut. C'est bon? Ouais, non. L'énergie commence à fluctuer. Ça veut dire grouille-toi? Ouais. Cher à cause de la capacité qu'elle va avoir. Elle est carrément plus performante que les anciennes consoles. Et la carte graphique qu'il va y avoir intégrée dessus elle coûte assez cher. C'est l'équivalent d'une 2080 Ti en fait. Du coup, c'est pas le même prix quoi. Et t'as un Ryzen, dernière génération. T'as le tout dernier et c'est un gros. Donc, du coup, voilà. T'auras beaucoup de puissance. Par contre, ils sont passés full AMD. Hein. T'as plus de trucs Intel. C'est vraiment full AMD là. Parce qu'en fait, de base, alors c'est normal. C'est simplement normal. C'est que les matériaux utilisés, genre le plastique, il est pas blanc. Il est noir. Sauf que pour faire passer les matériaux couleur blanc, t'as plusieurs solutions. Soit c'est de la peinture exprès, je sais plus ce qu'ils font, il y a une technique apparemment, mais c'est surtout pour ça en fait. Surtout parce qu'elle est peinte, elle est entièrement peinte. Donc c'est pour ça en fait qu'elle est plus chère. Noir, c'est le matériau comme mission de base, alors que blanc non. Ah oui. On croit toujours que c'est le blanc le principal, mais non, c'est l'inverse. Le plastique, c'est blanc. Pas qu'on peut chercher à comprendre. Enfin, le plastique, c'est noir plutôt. Le plastique de base, c'est noir. Du coup, c'est pour ça que tout ce qui est blanc, c'est plus cher. Freelancer, merci encore pour votre aide. Les affaires se portent déjà mieux. On vend du tonnerre, hein? Ça fait rire les gens, mais l'uniforme fait soldat. Vous avez vu le Dominion? Ils ont compris, eux. Pour gagner une guerre, le style, c'est la moitié du travail. Le but d'un javelin, c'est d'intimider, d'annihiler, d'exterminer, d'éradiquer, et si vous êtes bon, d'anéantir. Il faut inspirer une peur viscérale chez l'ennemi. Puis c'est sympa de voler avec classe. Exactement. On peut s'amuser tout en terrifiant l'ennemi. J'imagine qu'il y a une raison au fait de nommer ces combinaisons javelins. Évidemment. Imaginez qu'on les ait appelées canettes. Je sais pas quoi. Foutez le camp! Une escouade de canettes sont parvenus. Ouais, ça fait pas le même effet, c'est sûr. Sauf si vous avez peur de la vengeance des conserves. Vous avez l'air particulièrement passionné. J'aime ce que je fais, et c'est important. Je veux aider les gentils à gagner.
Lorsqu'un freelancer se pointe avec son javelin, je veux qu'il marque les esprits. Ça fait trembler l'ennemi et ça donne espoir aux alliés. L'idée me plaît bien. Un peu de tonnerre et de fracas pour faire une belle entrée. C'est ça. Pourquoi les gens ont peur de voir une grosse tempête approcher? Sûrement parce qu'elle peut les tuer? Absolument. Le ciel renferme de la puissance et de la souffrance si on ne le respecte pas. Si je peux quoi que ce soit pour vous, vous me le dites. Il y a toujours de la place pour le tonnerre sur un javelin. J'y penserai. À plus tard. Non mais c'est ça en plus. Freelancer ? Freelancer, parfait, tu es là. Mathias, t'as besoin de quelque chose ? Besoin ? Non, mais j'ai quelque chose pour toi. Tu te rappelles cette étrange énergie émise par les runes ? Je me souviens que t'as dit quelque chose pendant que je les récupérais. J'ai réussi à isoler et à identifier ce modèle énergétique. Je l'ai transmis à ton crypteur. Qui va pouvoir m'aider à trouver ces runes invisibles ? Elles sont fondamentales si on veut lever le voile sur un autre mystère impénétrable. Autrement dit, tu veux que j'aille en trouver d'autres ? Oui, le plus possible. Si j'en ai assez, je suis certain de pouvoir localiser le Codex Élyséen. C'est certain. J'ai plusieurs pistes. C'est très prometteur. On se recontacte. Ça marche. J'ai entendu ta chaîne. Hey, t'es bien un freelancer, non? J'ai entendu des trucs sur toi. Quel genre? Les arcanistes disent que t'as arrêté un cataclysme, ou un Ursix géant, ou les deux. C'était bien moi, mais c'était un peu les deux. Tu m'intéresses. Je tiens pas à en dire trop pour l'instant, mais reste sur tes gardes. Beaucoup de monde va t'avoir à l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que c'est le moment de montrer de quel bois tu te chauffes réellement. Si t'as un contrat pour moi, je serais heureux de savoir ce que c'est. Pas un contrat. Enfin, pas exactement. T'as déjà entendu parler de la voie de la gloire? Un genre de classement pour les lanciers, c'est ça? Pas seulement. Il y a certaines récompenses réservées à celles et ceux qui suivent la voie. Des récompenses de la part de qui? De l'empereur. Suis la voie, freelancer. Ce que tu feras comptera, je te le garantis. Salut, vous, toi, freelancer. Bonjour. Sentinelle, ça fait plaisir de te revoir. Ah oui. Ce n'est pas le cas? Je fais rarement appel aux freelancers. D'accord. Ou n'importe qui d'autre qu'une sentinelle, d'ailleurs. Eh bien, j'espère que tu regretteras pas de connaître l'un de nous. J'espère aussi. Ok, je peux t'aider? Oui, bon. Chut. Techniquement, j'ai pas l'autorisation de mes supérieurs pour te proposer un contrat. Mais on a relevé une recrudescence d'activité d'escar près d'une base arcaniste. Quoi que ce puisse être, ça risque d'être dangereux si les Scars mettent la main dessus. D'accord, je vais vérifier. Bien. Je veux dire, bonne chance, freelancer. Ok, pas de problème. Ouais, totalement, on est bientôt là à 200. Bientôt 200 followers. D'ailleurs, je vais voir, je ferais peut-être gagner un truc, tiens. Faudrait voir ce que je pourrais faire gagner, tiens, pour les 200 followers. Si on a compte des idées de ce que je pourrais faire gagner aux 200 followers, je réfléchis à d'autres trucs.
Tu en as réalisé des exploits, c'est merveilleux. Par curiosité, qu'est-ce qui te marque le plus? Les bons moments, les mauvais? Allez, sois honnête. Les bons jours, c'est ce que je retiens. Les victoires. Y'a que ça de vrai. Ouais, hein? Pourquoi pas. Il y a longtemps, j'étais dehors, près des portes de l'aube. Ah, tu veux, je sais. Ou un jeu, ou un code Xbox Game Pass. Je sais. Je vais trouver ce que je vais faire gagner. Trois mois de Xbox Game Pass. Dans la jungle, par Xbox, c'est Xbox Game Pass ou PC Game Pass. Comme ça, c'est un jeu où les gens voudront venir jouer avec moi. Ce sera possible. C'était un vrai bonne idée, ça tient. Il y avait de la musique, tout le monde dansait. Secourir une bande de gosses, ça c'est une belle journée. Ouais, c'est pas mal. Très belle journée. Ah ouais, pourquoi pas. Réservé aux followers, mais ouais, pourquoi pas. Et ses parents, ils étaient morts pour de l'arpenteur. On est censé être porteur. Je pense que je vais faire une session réservée vraiment aux followers. Et je ferai gagner une clé. Je ferai gagner un abonnement de 3 mois au truc Xbox Game Pass ou... Ouais, vas-y, tu peux la faire. Du coup, pour ceux qui sont là sur le stream, si vous n'êtes pas encore follower, n'hésitez pas et vous pourrez tenter de gagner une clé pour 3 mois de Xbox Game Pass. Alors, c'est Xbox Game Pass ou Microsoft Game Pass, c'est soit l'un soit l'autre. Dans le général, ouais, vas-y. Bah, vas-y, Arton. Vous battez pas, hein. Par contre, j'ai un truc là, normalement. Je fais un truc à gagner. Ok, je dois avoir un truc à récupérer en dessous. Je passe la sentinelle Brin. Freelancer. Bonjour. Ici la sentinelle Brin. Salut. Rebonjour, sentinelle. Comment vas-tu? Bien. La base arcaniste n'est pas loin de ta position. Méfie-toi d'Escar. Ok. Comme c'est notre première mission, on devrait peut-être discuter, histoire d'apprendre à se connaître. Pas la peine. Je te ferai signe quand t'approcheras de la base. Entendu. Ouais, bah il fait le discours de la commu, hein. D'ailleurs, faudrait qu'on voit pour un truc, parce que je suis en train de voir pour la commu un système d'équipe. Juste avoir accès au système de partenariat qui je capte un signal d'un refuge pas loin. Et je pourrais créer une équipe pour la commu. Tous les streamers de la commu.
détruit l'essentiel des machines. Intéressant. Les Descartes ne s'apprennent pas aux équipements arcanistes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien étudier là-dedans? On peut en reparler un peu plus tard? Ah oui, tuer devant les murs du fort plus tard. De rien. Escar ont dû prendre le sujet d'étude des arcanistes. Probablement. C'est bon, nous avons vu Escar se regrouper dans une zone près de ta position. Va jeter un œil. D'accord. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Escar aussi actif. Moi qui pensais être la seule à avoir remarqué. Ils sont partout ces derniers temps. Ce sont même pas des gens. Juste des monstres qui détruisent tout sur leur passage. C'est ça, Brim. Lâche-toi. Machine arcaniste disparue. Et tout le reste de leur recherche, quoi que ce soit. Fais aussi attention aux Scar, tant qu'à faire. Des débris de technologie des démiurges. Aucune trace des arcanistes. Continue à chercher. Cherche une sorte d'anthroposcar? Ouais, un truc comme ça, quoi. Tiens, et une grotte scar plutôt qu'un anthroposcar. Ça me va aussi. Il y en a une pas loin de toi. Un endroit idéal pour cacher des machines volées. J'y entre dès que je la trouve. Ouais, c'est un peu le but, ouais.
Parfait, merci. Thank you.
De quoi? Ah. Ah oui, notre guette. Ah, c'est plus sans un lance de grenade extrême. C'est un bon lance grenade extrêmement puissant en fait. Ah ouais, bah c'est très destructeur. Le mieux c'est quand t'as des aides, les mecs. Tu fais un carnage. Quand t'en as une dizaine, ça devient une vraie boucherie. Ils ont branché les machines des arcanistes volés sur un artefact des démiurges. Ça promet. Arrêtez avant qu'elle explose. Qui a le plus gros lance-roquette. Désolé mon gars, t'as perdu. Il s'est passé quoi? L'artefact, il génère des scorpions. Le mieux, c'est de le neutraliser. Fragment moi.
Ouais, mais totalement. J'ai trouvé une pièce. Au travail, rapporte-la. J'ai fait un carnage. Je fais une petite pause de 2 minutes et j'arrive. Tu m'entends? C'est moi. Owen? Il faut qu'on parle, c'est important. Retrouve-moi au bar. Ok, j'arrive. Owen? Bon.
Alors, je vais faire une petite pause de live et je rallumerai un peu plus tard. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont là de me regarder et je vous dis à tout à l'heure, je pense, dans deux petites heures à peu près. Je relancerai dans deux heures, je pense. Temps de voir d'autres trucs, de me poser un peu et je reprends le live après. Du coup, je vous dis à tout à l'heure et merci de m'avoir regardé.